Sur du Joule. Avec un coca. Le frère, évidemment. Un coca bien frais, chacun. Monsieur le gouverneur ? Oui, monsieur Schmitt. Je vous ai envoyé le fichier texte. Merci, monsieur Schmitt. Tout ça en regardant une planche de bois, monsieur ? C'est une e-planche. Moitié bois, moitié électronique. Où ça passe ? Pan ! Oh là là ! Ça, va la chercher, mon ref, celle-là. Va la chercher, hein, frérot. Vous avez des jolies chaussures. Ouais, tiens, tu vas me sucer, c'est toi, extrême. Mec, ils font connaissance maintenant sur le terrain. Vous connaissez ma femme, monsieur Schmitt ? Pas du tout, monsieur le gouverneur. Mais c'est un honneur. Non, elle est morte. C'est une partie de pêche qui a mal tourné. Quel dommage, monsieur le gouverneur. Mais oui, elle s'est fait embrocher, pas embrocher. Fufu, suce-moi le cul. Calme-moi, des doigts. Appelle tes copains. Et ton oncle, Jocelyn. J'étais à 6, les gars, on n'est pas près de le voir. J'étais à 6, je pense que c'est dans 3 ans facile. Vous pouvez clipper, je l'aurais prédit, c'est ici. Comme une gueule, me dépochard, je fais tour de peine avec Epona. Il a tombé, mais j'ai pas fini, clochard. Non, non, non. T'as dit le SeaWorld. Clochard ? Bah non, mais redis-le pas. Est-ce que j'ai une tête d'entreprise de billard, monsieur ? J'ai une tête de boule, monsieur. Non, non, mais tout, c'est pas ce que j'ai. La seule chose que j'ai en lien avec le billard, c'est une queue, monsieur. Tiens, c'est pas facile, hein. Il y en a beaucoup, sa mère. Ouais, 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 ouais. Okay. Voilà. Bon, on a gagné. Hop. C'était le niveau. Ouais. Mais qu'il est con. C'est le gars, il va sur le plateau. En deux matières. Bois. Perdu. Ouais. Allez, passez une bonne soirée. Je vais mettre derrière le bureau. À tout moment, je vais appuyer sur un petit bouton. C'est une trappe à bouton poussoir. Vous êtes prêts? Allez, tombez. Je crains que la trappe ne se soit pas ouverte, monsieur gouverneur. Si. C'est une bonne trappe. Ça a été vérifié par tous les architectes. C'est une trappe efficace. Boum. Non, boum. Mais non, mais non, pas ta tête, gros, ta tête. Mais ta tête, c'est un apéricube, qu'est-ce que tu vas t'aider? Mais j'ai bien aimé votre teaser. Hop. Vous en faites pas, monsieur. J'ai serré les fesses. Je vous rappelle que vous avez le meilleur conducteur de l'île. Le meilleur conducteur. Monsieur. Tu crois qu'il est mort? Non, mais il est mort. Avancez avant qu'on soit repéré. Je suis au quatrième. Oui, oui. J'ai marqué sur un sang, frère. Vous savez jouer au billard? Sure. Monsieur Schmitt est très fort au billard, il maîtrise la queue à la perfection. La dernière fois, il a mis toutes les boules dans le même trou. Oh, great. En un seul coup de queue, c'était impressionnant. Wow. Attends, je tente un truc. Mais, à gauche, ouais, ouais. À droite. C'est soirée là. Merde, c'est pas la bonne Corée. Mais c'est mon chien, il est là, la petite statue. Oui, mais comment c'est le procuré? Mais il est mort. Il me semble que Kiki avait fait un enfant. Comment on l'avait appelé, monsieur Schmitt? Bouboule. Un jour, je l'amènerai, vous pourrez toucher mon bouboule. Monsieur Yoni, touchez mon Kiki. Allez-y, on peut le faire à deux, s'il vous plaît. J'aimerais bien faire un partenariat, moi, avec un truc de sex toy. C'est pas une blague, j'en parlais en plus à l'air et tout, tu vois. Affirmatif. Je vais plutôt... Waouh. Tu vas placer le gouverneur, là. Là, je suis peut-être sur un dossier, mais ouais, mais des gigatrucs sur vérin, des chaises avec des trous pour les couilles, tu le fais fouetter en dessous. C'est des boules que tu mets dans la bouche, gros, ça dépasse de partout. Des gants en velcro pour les meilleurs fistipotes. Venez à ma place, Olivia. J'essaye de... Oui, vous essayez de l'autre côté. Vous êtes prêts? Allez-y. Ok. Nous sommes un peu... Oh, bah, il a bien une trappe, c'est efficace. On appelle ça une double trap. C'est intéressant à savoir, c'est toujours bon. Oh, ce qui t'a mis. J'ai vraiment envie de goûter au trou du cul de votre femme. Je peux lui demander qu'elle nous fasse 1, 2, 3, 4 trous du cul bien baveux. Sure, pourquoi pas goûter? Vous préférez la crème dedans ou légèrement sur le côté? Oh, légèrement sur le côté. C'est parfait. Comme d'habitude pour moi, fourré et bien baveux au-dessus. C'était custom, incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et avec tout le respect que j'ai pour vous, madame la commandante. Oui. Dites-moi en plus. Eh bien, vous sortez vos clés de vos poches et vous les utilisez. Vous appuyez sur le bouton, tout simplement. Non, n'en dites pas plus cette fois. Mais le MVP de ce milieu de terrain, et je pense que personne ne va le contredire, ça restera extrême quand même. Là, il est énervé, ouais. Il va casser la là, gueule. Là, il est extrêmement énervé. Vous cassez pas les couilles, hein. Commencez pas. Madame la commandante. Oui. Y a-t-il un bouton en particulier sur cette télécommande, madame? Oui, le bouton de droite. Bien sûr. Dites-moi en plus. Vous savez, vous avez un bouton à gauche, un bouton à droite. Vous cliquez uniquement sur celui de droite. N'en dites pas plus, ça paraît logique. Je suis imitateur. Ouais. Je suis un petit peu un imitateur. Vous connaissez ma passion pour l'imitation. Un peu un connard aussi. Je suis choqué. Ah bah. Oh, je suis choqué.
Voilà. Oh, un hater. Je veux. Oh là là. À moi. Sur moi. Putain, je t'avais dit, il y en avait un là. Milieu. Bien joué, gros. Cheater, Non, mais c'est bon, je sais. Je voulais voir si j'avais encore ce petit truc de jeunesse. Ah, mais vous l'avez encore. Vous êtes très flexible. Merci. Ma femme me le disait souvent avant de mourir. Bien joué, les gars. Vous voulez voir une autre technique de sous la canne? Oui, bravo. Je sais pas si tu acceptes les animaux dans ta boutique. Si, si, Loulou, il est déjà venu nous voir deux fois. Si jamais demain j'achète un Marcel Prada, ça passe ou pas? Un Marcel, ça reste ridicule, peu importe ce que tu mets dessus, hein. Tu peux le floquer suprême. Non, je suis désolé. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Je kiffe mes Marcel, je suis trop. Ah bah, t'as raison. Monsieur Schmitt, une fois. Monsieur Schmitt, deux fois. Monsieur Schmitt, trois fois. Quatre fois. Monsieur Schmitt, cinq fois. Six fois. Sept fois, mais il est sacrément solide, celui-là. Je pense qu'on ne peut rien faire contre Monsieur Schmitt. De toute évidence, il est dans un état second. Les pubs ciblées. Oh les bâtards. Il y a un mec qui l'a dit, mais les pubs ciblées de White, elles ressemblent à quoi? Deux Marcel achetés, trois Marcel offerts sur Marcel.com. Bien joué, vous l'avez neutralisé. Excusez-moi, j'ai eu une absence. C'est ta sœur Sophie? Ouais, on couche ensemble de temps en temps, mais c'est vraiment pour me vider les couilles. Imaginez, vous auriez eu un virus qui répand la terre entière depuis 2 ans. Une catastrophe, oh, monsieur Schmitt. Catastrophique, exactement. Bien sûr, redites-le. Catastrophique. Non, redites-le. C'est quel mur qui est pas tombé Berlin est à moitié tombé. La muraille de Chine qui est toujours debout. Et qu'on voit de l'espace. Bien sûr. Un petit peu comme mon. Un petit peu comme ta. Ta gigantesque. Mec. Catastrophique. Encore une fois. Arrêtez de le dire, bien sûr. C'est évident. Ouais, c'est bien, on parle bien de ma. Le problème avec toi, Fufu, grosse... c'est que t'as une putain de gigantesque. Bah ouais, pesqué de l'espace a dit putain, Fufu, on voit ta. Pourquoi arrivez-vous si tard? Vous étiez embauché la semaine dernière, me semble-t-il. J'ai du mal à lire les dates alors. Monsieur Marcus, apprenez-lui à bien lire les dates, s'il vous plaît. Action! Aïe! Tu vas lire les dates la prochaine fois! Sur du jou. Avec un coca. Le frère, évidemment. Un coca bien frais chacun. T'es parti, 3, 2, 1, tombons! Je pense que c'est plus par ici, monsieur. Regardez, hop. Ceci est embêtant. Ceci est... Et ben voilà, c'est une bonne journée. Une belle journée. J'ai le chronomètre, hein. Comment va votre femme, monsieur Schmitt? Très bien, elle était très occupée, monsieur le gouverneur. Ah bon, qu'a-t-elle fait? Elle doit faire des trous du cul pour toute la ville, monsieur le gouverneur. Son trou du cul a une réputation sans faille, si je vais me permettre cette expression. Tout le monde veut son trou du cul, monsieur le gouverneur. Mais j'entends bien. Oula, y'a plus de son. Son micro, là ça fait 15 secondes là. Ouais, c'est vrai. Tant que tu tues. Seconde. Des bonnes miches, monsieur. Non, pas du tout. Autant que je connaissais les schnecks, mais bah alors les... Schneck, oui. Notez, monsieur Schmitt. Il pense, quoi. Il doit être lourd. Ouais. J'espère que vous auriez l'occasion, monsieur le procureur, de goûter les trous du cul de la femme à monsieur Schmitt. Ils sont excellents. Fourrés au chocolat, c'est un délice. Voilà, il dépasse le record du monde. Franchement, 37 secondes gros. Monsieur Schmitt, rappelez-moi l'heure et la date s'il vous plaît. Lundi 24 à 21h environ. Dites-moi en plus.
à votre guise. Dites-moi en plus. Selon votre choix. Dites-moi en plus. Pour un discours. Bien sûr, merci beaucoup, monsieur Schmitt. On joue à Dexop en défense. T'es un bâtard. Arrête, désactive. Ouais, ouais, faut s'en aller. Moi, je veux décoller. Voir plus loin que le bout de mon nez. Moi, je suis spontané. Mais t'inquiète, je suis grave calé. Je compte les années. Plus beaucoup, je vais m'en aller. M'en aller. Ouais, je vous le dis, je vais m'en aller. Pour s'évader, y'a pas de secret. On veut s'en aller. Tout s'est bazardé. Bazardé, ouais, pour s'évader.